Très beau moyen pour revenir à la présence de votre vraie nature. C'est simplement de suivre le son du bol tibétain. Il apparaît dans le silence et il disparaît dans le silence. D'accord ? Mais le silence, c'est vous. Donc il apparaît en vous et il disparaît en vous. Donc vous le suivez, vous suivez le son du bol tibétain. Vous le suivez, votre attention est dessus et dessus. Et à un moment donné, en fait, le son du bol disparaît dans le silence et l'attention également. Et le silence qui se révèle, c'est vous. Il y a écoute. Et au sein de l'écoute, il y a le son. L'écoute écoute le son, pourrait dire. Quand le son disparaît, l'écoute écoute l'écoute. L'écoute se goûte elle-même. Mais il peut également être découvert que le son est une expression de l'écoute.
suis la merveille qui prend la forme du son. En fait, le silence est tout le temps là. Et comme vous aussi, vous êtes tout le temps là, vous pouvez réaliser, à un moment donné, que vous, vous êtes le silence. Je suis le silence. Je suis le silence. Tout apparaît et disparaît dans ce silence. Que je suis. Je vous invite simplement à faire l'unité avec le silence. Le silence écoute le silence.
considérer tous les sons, les vibrations que vous percevez dans l'instant en tant que j'ai des sons. Il y a d'un côté vous et de l'autre côté les sons. Puis considérer les sons en tant que je suis les sons. Je suis les sons et faites l'unité avec les sons. Sentez ce que cela fait que d'être les sons. Rapprochez-vous des sons et laissez les sons se rapprocher de vous jusqu'à ce qu'il n'y ait pas de distance entre vous et les sons. Et soyez les sons. Tous les sons. Je suis les sons. Et sentez tactilement, vibratoirement, ce que cela fait que d'être les sons. Je suis les sons. Aucune distance entre vous et les sons. Les sons n'apparaissent pas dans l'expérience directe à deux petites oreilles, à un cerveau. Ils apparaissent à 0 cm de vous. Ils sont ici, pas là-bas. C'est ici qu'ils surgissent, en vous. Tous les sons apparaissent en vous en cet instant. À 0 cm de la présence consciente que vous êtes. De la même façon que tous les pixels du film apparaissent à 0 cm de l'écran. Tentez si bien qu'à un moment, il est réalisé que les sons non seulement apparaissent et disparaissent en vous, mais c'est la forme que vous prenez dans l'instant. Les sons en cet instant apparaissent et disparaissent en temps. Vous êtes le silence prenant la forme de ces sons-ci, y compris ceux de la voix. Ainsi, vous pouvez dire « Je suis le sans-forme qui prend la forme de ces sons-ci, ou de ce son-là. »
Je suis la merveille qui prend la forme de ces sons-ci. Je suis le silence qui se module en tant que cette musique-ci, que ces bruits-là, que ces murmures-là, que ces vibrations-ci. Et à chaque son qui apparaît en vous, il y a un sourire de reconnaissance. La symphonie vibratoire et sonore qui se joue en cet instant, c'est votre composition dans l'instant. Je suis le silence, le sans-forme, la merveille qui prend la forme de toutes ces vibrations-ci. De la même façon que l'eau prend la forme des vagues, que l'écran prend la forme du film, que l'or prend la forme des bracelets, l'argile, la forme d'un pot. Je ne suis pas les sons, je suis le silence. Et à la fois, les sons sont la façon dont je me manifeste. Les vibrations sont mon rêve. Et tout l'univers n'est que vibration. Tout est vibration. Les sons, la lumière, les couleurs, les odeurs, les goûts, les sensations, les pensées. Tout l'univers peut être réduit à des vibrations. Mais au plus profond, je suis le silence qui se manifeste en tant que la vibration de tout l'univers.
les questions, les questionnements, ils viennent de ce même silence. Et les réponses formulées viennent de ce même indicible, de ce même silence. Les questions et les réponses apparaissent et disparaissent dans ce silence et en tant que ce silence qui est la réponse. Si la question « Qui suis-je ?» advient, elle apparaît dans ce même silence dans lequel apparaît ma voix, le son des bols tibétains et tous les sons en cet instant. Il y a juste à suivre la question, le son, la vibration, et laisser la vibration se dissoudre dans le silence dans lequel il avait émergé. Et vous avez la réponse. Alors là, vous découvrez que vous avez toujours su que vous étiez ce silence. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Vous avez simplement arrêté de faire semblant d'être autre chose que ce silence. Vous vous êtes cristallisé dans une forme particulière, dans un nom avec des caractéristiques. Mais vous savez depuis toujours que vous êtes ce silence. Et ce silence, il prend spontanément toutes sortes de formes. C'est la liberté, c'est votre liberté, que de pouvoir prendre toutes ces formes. Et c'est une liberté absolue. Et en cela, elle est en paix, elle est joyeuse, elle est pleine d'amour. Chaque forme, chaque variation, chaque vibration, chaque son qui apparaît au sein de ce silence, pourrait dire, d'une certaine manière, que c'est le désir du silence de se manifester ainsi. C'est votre désir que de vous manifester ainsi.